C'est calme et reposant. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir Expedition, a Mud Runner Game. On est sur la version PC du jeu. Le jeu sort officiellement le 5 mars 2024 sur console et PC, également sur Switch. Le jeu est disponible en accès anticipé de 96 heures si vous prenez une des deux éditions premium du titre, à savoir la Supreme Edition et la Premium Edition, j'imagine. Donc on va découvrir ça direct. Un grand merci à Focus qui m'a envoyé un code du jeu pour que je puisse vous montrer le jeu en avance, incroyable. J'enregistre actuellement, on est le 28 février. Et je vous laisse avec la cinématique. J'ai coupé les musiques du jeu hein, pour éviter tout problème de droit d'auteur. Alors il est possible qu'il y ait des bugs dans cette version, puisque c'est une version qui n'a pas été mise à jour. Donc j'ai bien lu tout le guide que Focus m'a envoyé, et normalement si je fais pas de conneries ça devrait bien se passer. Mais si j'appuie sur une touche au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut tout casser. Alors les bases de la conduite. Ah, pour relâcher le frein. Là. Vers l'avant, tourne. Ok, classique. Tiens, on peut voir que c'est plutôt joli. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud également pour avoir plusieurs vidéos de ce jeu. Ah, je modifiais le son pour vous. Étape terminée. Continuez à suivre les repères de quête pour progresser. Ça commence plutôt mal où je pars en vrille. Je suis pas sûr qu'il faille que je passe par le garage là, ouais. Étape terminée. Progresser, passer en traction intégrale, cela permet de franchir les terrains difficiles au prix d'une consommation de carburant élevée. RB, puis B, ok. Ah, la physique a l'air toujours aussi excellente. Oh, on entend des grenouilles. Incroyable. Alors, RB, il faut passer en vitesse basse, puis appuyer sur X. Ok. Il va commencer à y avoir beaucoup trop de touches pour mon petit cerveau. Hein. Entrer dans le mode échange. L'inventaire du véhicule est à gauche, à droite. La zone de ressources. Sélectionnez l'objet de quête, ajoutez-le à l'inventaire et fermez le menu. Ok. C'est assez reposant ces jeux jusqu'au moment où on est bloqué ou où je m'énerve. Ajustez la pression en fonction du type de terrain. Ouvrez le système de gonflage des pneus puis réduisez la pression. Ah ouais, d'accord. Je trouve le jeu vraiment super bien fait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Emporter des bidons de carburant. Maintenir LB, faire le plein. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Et donc ça fait le plein direct. J'ai la voix qui déraille. Loul.
LB roue. Ah oui, d'accord, je choisis ce que je veux réparer, mais il n'y a rien à réparer là. On va dire que les suspensions. Ah d'accord, ça répare par 5. Ok, retour au QG. On a fini le tuto là? Région. Choisissez une zone de départ. Little Colorado est le lieu idéal pour perfectionner vos talents. Bien, donc on a Little Colorado, Arizona et Carpath. C'est go, hein. Base principale. Les expéditions, il s'agit des missions principales. Ok. On l'a choisi. Je choisis mon camion, j'imagine. Oh là là. Ah, stylé. Parce que tout ça, c'est des trucs gratuits. Ah, je crois pas. Hein. Le problème, c'est que je sais pas quoi prendre, moi. On va prendre celui-là. Ajouter. Inventaire. Oh, y aller comme ça. Le mec ne comprend rien à rien. Pour l'instant, je peux rien faire. Bah, let's go, on y va. Prendre au moins un camion. Bah, il est là, le camion. Alors, attends. Plateau court ou plateau à rambarde? Si plateau à rambarde. Et dans l'inventaire, apparemment, il faut que je prenne le vérin. C'est pas clair du tout, les mecs. Ou c'est moi qui suis complètement demeuré? Ah oui, c'est ça, exigence, mais c'est complètement ça. J'ai qu'à apprendre à lire. Hein. Voilà, dépouillement. Ah, pardon, c'est de ma faute. Je ne sais pas lire. Je suis un sac à merde. Alors, hop, on enlève le frein à main et on y va. Désolé, hein, pour cette perte de temps. La mini-carte pour vous repérer. Ouais, la mini-carte est pas belle, mais elle m'a l'air fonctionnelle. Ça, c'est déjà pas mal. Et il a remis le frein à main, cet abruti. Par contre, j'entends de la radio. Attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer de vue? Ah voilà. J'espère que la radio va pas foutre la merde. Utiliser l'écho sonore pour déterminer la profondeur des plans d'eau.
Ah, c'est excellent. Alors, on prend les rambardes. Explorer la montagne voisine en utilisant le drone. Aller au sommet de la montagne avec le drone. Ouais. Là, je vois mon camion. Un trajet pour aller en haut de la montagne. Alors là, c'est le didacticiel, donc c'est ultra balisé, mais après, faudra se démerder. Et c'est là que ça va devenir complexe. Ça, le treuil, je connais. Entrer dans le mode livraison. Jumelles. Ah merde, c'est de l'autre côté. Ça, c'est une catastrophe. Une récompense. Là, il y a un autre truc. Et dès qu'on fait quelque chose, ça remet le frein à main automatiquement. Pas très rapide le drone. Signal faible. Ok. Vous pensez probablement que je bite rien à ce que je fais, c'est sachez que c'est totalement faux. La base avancée, ben c'est ça. Ça marche pas. Revenir à la base et garer le camion. Bah ben oui, merci. Il y a un truc qui fonctionne pas là.
La vache, fallait être pile dessus. Ah ouais. Oh yo 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 yo. Ça va être compliqué. Ah là, ça y est, je peux aller dans l'Arizona ou les Carpates. On va continuer, dit le Colorado. Hein. Alors, zone proche. Difficulté facile, c'est très bien ça. Donc, il me faut un véhicule éclaireur. Et des détecteurs de métaux. On va faire ça. J'imagine que c'est ce véhicule, le scout. Ouais, ça doit être ça. Pareil. Toi, détecteur de métaux, c'est gratuit. On prend. Utiliser un détecteur de métaux dans la zone spécifiée. J'imagine que c'est là. Module. Non. Ça, c'est pour du stockage. Alors, la minimap. Dans la zone spécifiée. Ah, c'est là. Voilà, je me TP ici. Rouge ressource, bleu objet, vert amélioration. Ouais. Absolument, ouais. On va le refaire. Et donc c'est derrière. Assez particulier comme jeu, faut aimer. Hein. Ah, je trouve ça sympa. Après, faut vraiment. Attends, ça a l'air d'être par là, non? Putain, je vais le faire à chaque fois, quoi. Comme un teubé. Là-bas. C'est par là, non? C'est une blague ou quoi? Je m'embourbe dans quoi là? Putain de cactus! C'est une catastrophe. Ah oui, c'est...
Ah mais c'est une blague, il est pourlingue ce véhicule. J'ai réussi à me keblo. Allez! Ah mais c'est une plaisanterie, y a rien qui bloque, putain! Ah c'est ce caillou de merde là! Ah, j'ai oublié qu'il y avait ça. Pardon, pardon, pardon. Il y avait un truc par là. Ok. Ah là, je le sens pas. Hein. Donc, ensuite, il y avait un truc là-bas, je crois. Deux trucs là-bas. Allez, on y va. Là, ça va pas passer. Ah, quoique. Là, ça devrait passer. Voilà. Putain, la honte, quoi. Comment on peut observer la faune et la flore? Quelque part. Alors, comment que je peux me remettre? Je pense qu'il faut que je me téléporte. Ah, c'est ça. Alors attends, on va aller par là-bas. Désolé s'il y a des fans de ce genre de jeu, hein. Ah, nouvelle mission découverte. Allez au poste d'observation. Un pire véhicule du monde. Hein. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est dans les montagnes. Trop compliqué. Comment je retourne à ma précédente mission? Attends, vraiment, rien n'est clair dans ce jeu, c'est un truc de fou. Un signal rouge, c'est ici.
Ok. Donc signal vert, on a dit, c'était par là-bas. Alors, est-ce que je peux mettre un point de repère? Normalement, oui. Voilà, comme ceci. Ça va faire 26 minutes, on va pas tarder à s'arrêter. Je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblait le jeu. Il a l'air vraiment très très cool. Dans le peu qu'on a fait, ça m'a plutôt bien plu. Même si je sens tout de suite que le jeu va me faire rager assez vénère. Là, on va pas faire la connerie. On va passer par là-bas. Hein. Je me demande si des quêtes annexes que je trouve pendant cette expédition-là, est-ce qu'elles se gardent pour les autres expéditions ou c'est juste pour celle-là? Ça va être intéressant de voir. Je vais quand même récupérer ce qu'il y a à récupérer. Voilà. Trouvez votre première cache à amélioration. Elles avaient vu ou quoi? Donc par contre, pour une vue magnifique, je pense qu'on ira avec un autre véhicule. Voulez-vous vraiment redémarrer? Ah non, absolument pas. Me remets là. La minimap. Là, j'ai ces deux missions à faire. Ok. Je commence à piger le truc. Encore là, c'est sur une petite zone. Donc, je vais être complètement paumé dans les autres biomes du jeu. Mais bon, c'est ça qui est bon. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo de Expédition Mud Runner Game. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Salut à tous.